Syndicaliste et il faut vient seulement pour signer. Les enseignants viennent seulement pour signer et puis partir. Donc ils ont opté pour l'école sans enseignants. Hier déjà il y avait réunion ici à Kinshasa, au stade économique de Kinshasa, où les enseignants, où les syndicats des enseignants ont siégé pour s'attirer sur eux. Aujourd'hui, le sort d'aujourd'hui. Et nous sommes dans des écoles et nous avons constaté aujourd'hui comment les enseignants ont opté pour les profs sans enseignants. Nous sommes à ce côté. Nous avons signé d'autres écoles. Nous avons voulu continuer ici pour voir ce qui se passe. Vous voyez, les élèves sont là et il y a quelques enseignants de l'éducation. Et d'autres écoles, d'autres classes de classe sont fermées. Les élèves sont dispersés, ils sont rentrés chez eux pour se reposer parce que les enseignants ont opté pour l'école sans enseignants. Marie-Londe, de sur votre chaîne YouTube, Marie-Londe de Lotouli, nous sommes venus constater la journée d'aujourd'hui. La rentrée, c'était depuis la semaine passée, le lundi. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire les constats. Une semaine après la rentrée, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça? Les enseignants hier, ils ont déjà siégé pour dire qu'aujourd'hui, nous ne serons pas à l'école. Ils vont venir seulement pour signer et puis rentrer à la maison. Nous avons constaté ensemble avec les élèves de cette classe où il n'y a pas d'enseignant. Ici, nous sommes à cette équipe. Nous étions à Lukala dans plusieurs écoles et vous avez constaté que les enseignants ne sont pas là. Merci, restez toujours branchés à suivre Marie-Londe de Lotouli. Nous allons continuer toujours à vous informer pour ce qui concerne les informations du commun central précisément de local et de Kinshasa. Restez branchés. J'ai été servi par, réalisé par Ziga Social. Ziga, vous avez un bon. Restez toujours branchés à nous suivre, surtout, ne zappez pas. Tu vas dans la classe. Paul Mobimbaka à classe. Paul Mobimbaka à classe. Nous sommes, je suis Marie-Londe à partir de Kipese au Congo central où nous sommes venus faire les constats sur la rentrée scolaire. Hier déjà, les syndicats des enseignants ont siégé pour saturer pour les cours sur les ordres d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes passés dans plusieurs écoles de Lukala, Iti Lukala, Bantimba, Lycée Lukala, Épée.
quatre épées, Kassavubu, épées, Kinzolé, ça, où nous avons constaté les enseignants viennent seulement pour signer et puis rentrer à la maison. On a interrogé un préfet et un enseignant qui n'ont pas voulu, qui ont opté pour l'anonymat. Ils nous ont dit ceci, ils viennent seulement pour signer et puis rentrer. Et le préfet de l'école de Kouka nous a dit, à partir de 9h, ils vont libérer les enfants pour que les enfants rentrent à la maison. Nous sommes descendus à Kipese, dans les territoires de Songololo, toujours au Congo central, où nous sommes ici venus, où la place où nous enregistrons l'interview d'aujourd'hui. Vous avez constaté seulement les élèves là que vous voyez derrière moi qui sont venus à l'école. Toutes les écoles de cette école sont fermées. On a interrogé le directeur de cette école, nous sommes au Seco Kimpese. Il nous affirme aussi, comme c'était le cas là, les enseignants viennent seulement pour signer leur présence et puis rentrer à la maison. Par après, et dans leur tour, ils ont dit aux élèves de rentrer à la maison parce qu'ils n'avaient pas des enseignants. Nous sommes à Kimpese, nous avons constaté que les enseignants ont opté pour l'école sans enseignants, comme je l'ai dit hier, dans l'Assemblée générale des syndicalistes des enseignants. Marino, j'ai été avec vous, toujours branché, scotché pour nous suivre. Parce que le constat, elle est amère, l'école n'est pas, la rentrée scolaire n'est pas effective dans le territoire de Songololo et le territoire de Banjamou, dans la province du Congo central. Merci.